Voilà, mesdames et messieurs, désolé pour ces petits errements, mais je rappelle qu'il y a encore des places devant, pour ceux qui seraient assis sur les escaliers. Donc légalement, ils ont une place assise, si je choisis ces escaliers. Désolé pour ces petits errements technologiques, mais les statistiques nous disaient qu'on allait arriver à la limite, on ne voulait refuser personne, donc nous avons mis sur pied cette projection supplémentaire pour Paderewski, finalement qui n'a pas été nécessaire. On est très heureux de vous accueillir tous ici, dans cette belle salle bien pleine. Désolé, mais il faut bien comprendre que c'est la meilleure manière pour voir ce que vous allez voir maintenant, puisqu'il s'agit, et je me permets juste de dire ça, de films restaurés, je pense que Jean-François va en dire quelques mots, dont vous allez voir une projection numérique en 2K, avec un projecteur numérique extrêmement bien calibré. Donc c'est quelque part le mieux qu'on peut faire, dans la mesure du possible, parce que même à Locarno, où ces films ont été présentés en première, dans leur version restaurée, on n'était pas encore tout à fait là, la projection n'était pas idéale, et l'écran non plus. Voilà, j'espère que vous allez avoir du plaisir. Donc je continue avec les informations techniques. Jean-François m'a demandé si je n'allais pas passer l'aspirateur après. On n'en est pas encore là. C'est pour tous ceux qui viennent de Paderewski, mais qui ont oublié qu'ils avaient laissé leur manteau à la réception de Paderewski. Tous les manteaux qui étaient à la salle Paderewski sont maintenant dans la cuisine des opérateurs. Donc à la sortie, notre charmant opérateur Denis Vallon, que je remercie pour ses courses dans un sens et dans l'autre, se fera un plaisir de vous remettre vos habits, mais vous préciser ce que c'est avant pour pas qu'on ait comme ça des... Parce que tout à l'heure, pour le billet de parking, j'ai eu crainte qu'il y ait deux personnes pour le même billet, je ne sais pas ce que... Donc j'ai fini de faire le pitre, parce que ce n'est pas le but de la soirée, même si j'ai un satin banque avec moi et que j'ai le plaisir d'accueillir tout simplement Jean-François Hamid. Bonjour Jean-François. Bonjour. Il y a de la place devant, hein, il y a de la place devant, là, il y a des places, assis. Bon, je vais arrêter. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis très heureux d'accueillir Jean-François pour cette projection, parce que même si on a montré ses films à Locarno, cette fois-ci, cette soirée, c'est un peu la tienne, parce que c'est un peu ta salle, tu l'as dit au début, et il était normal que quelque part dans cette salle, qui a vu projeter plusieurs de tes films, dans différentes situations, peut-être même avant que quiconque les voit, si ce n'est les yeux d'une personne que tu as citée dans le plan fixe, qui est évidemment Freddy Buage, dans cette salle, on présente ces deux films restaurés, donc Au 10 août, qui a été notamment écrit avec Anne Gontier, et Alexandre, qui a été co-réalisé par Anne, qui devrait être dans la salle, mais je ne sais pas si elle est là, je ne l'ai pas vue avant, donc sinon elle est bien priée de nous rejoindre sur scène. Et je suis très heureux de pouvoir vous présenter ces films, parce que finalement, quelque part, ça me permet aussi de me dire « Youpi, je peux aussi, moi, présenter un film de Jean-François Hamid dans cette salle. » Alors peut-être, à toi, quelques mots. On va vous présenter les deux films. Ils vont passer l'un à la suite de l'autre, le court d'abord et le long, même si ce n'est pas juste au niveau chronologique. Peut-être à toi de dire quelques mots de cette aventure, peut-être, pas du plan fixe, mais de la restauration. Oui, tout à fait. Bon. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que je n'y aurais pas pensé autrement, mais la toute première projection de ce film a eu lieu ici en mai-juin 82. Il y avait Anne qui était là et il y avait Freddy dans la salle. Et évidemment que j'étais dans un état proche de l'Ohio, d'autant qu'il bougeait un peu. Je me suis dit, c'est un peu mal barré. Et à la fin de la projection, Freddy s'est levé ici. C'était pour moi une émotion extrême. Il avait trouvé très bien les 7-8 premières minutes du film. C'était plutôt déjà un bon début, je veux dire. J'avais tenu déjà 7 ou 8 minutes et ça m'a donné beaucoup, beaucoup d'encouragement. Donc la première projection a lieu ici. Maintenant, les versions que vous allez découvrir ce soir sont vraiment tout à fait incroyables parce qu'on a restauré ces films. C'est-à-dire, grâce à la Cinémathèque, grâce à Mémoriam, à la SSA, à la Fondation Sandeau, etc., on a trouvé des moyens financiers et surtout des compétences techniques fantastiques pour sauver ces films. Parce que quelque part, le 10 août, on pouvait plus le diffuser, on avait perdu la bande-son, donc on ne pouvait plus le montrer, c'était fini. Et puis, Alexandre, c'était en très 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 mauvais état. Je l'avais vu dans une rétrospective, je ne sais plus si c'était à Bruxelles ou au Luxembourg. Et après 10 minutes, j'ai quitté la salle pour aller manger un bon steak, parce que je ne supportais plus de voir mon film, tellement c'était piteux, la qualité technique.
Il y a 3 ans, quand on a parlé avec Frédéric de restaurer ses films, évidemment que j'ai décidé de foncer. Et on a réfléchi pour chacun des films à trouver la meilleure technique possible. C'est-à-dire qu'il y a des scans du film qu'on a fait en Allemagne, chez Omnimago. Je crois qu'il y a une personne d'Omnimago qui est dans la salle aujourd'hui. Pour d'autres films, on a été chez Cinégrève, ancien Egli à Zurich. Et les films que vous allez voir ont été scannés, donc image par image, 24e de seconde par 24e de seconde. Ça dure, c'est une opération qui dure en gros 5 jours et 5 nuits. En gros, c'est un travail très très conséquent, qui n'a pu être possible que grâce aux investissements évidemment de la Cinémathèque, de Memoria, etc. Et puis ensuite, on a réétalonné les films, c'est-à-dire qu'on a retravaillé un peu les couleurs en fonction de ce qu'on découvrait. Et là, on a eu des émotions tout à fait incroyables, notamment avec Alexandre, des scènes qui étaient complètement pourries, qui fonctionnaient absolument plus. Vous allez voir, après une trentaine de minutes du film, il y a Michel Voïta et Didier Sauvegrain qui sont sur un balcon à Vevey. À l'époque, quand on voyait le film, on avait une espèce, on voyait des visages, mais on ne voyait plus les expressions des visages. Et derrière les silhouettes de Voïta et de Sauvegrain, il y avait une espèce de masse inerte, grisouille, jaunâtre, assez dégueulasse. Et ça devenait totalement impossible. Et tout à coup, à Zurich, on a vu qu'il y avait sur la péloche, enfin, quand on avait scanné le film à partir du négatif, on découvrait par exemple qu'il y avait des vaguelettes sur le léman et qu'on voyait tout à coup la différence. Plutôt qu'une masse inerte, on avait de l'eau et du ciel, mais c'était différencié. On voyait les vagues sur le léman. Enfin, tout à coup, on s'est rendu compte que le film était véritablement changé, modifié, et on s'est posé aussi des questions sur l'étalonnage. On s'est aperçu par exemple qu'il y a un long plan séquence où vous verrez Didier Sauvegrain qui part droit de cadre, qui se rapproche de sapins au Mont Pèlerin, il s'arrête sous un sapin pour observer, pour voir si son ancienne amoureuse est là, puis ensuite il passe d'un sapin à un autre en se cachant, puis il va se mettre à l'abri d'un cabanon à l'ombre. Donc, au départ, il est dans une zone très très très, où il y a beaucoup de soleil, où c'était très très blanc l'image, on voyait quasiment rien, puis lorsqu'il arrivait sous les sapins, il était complètement schwarz, c'était vraiment horrible, on voyait vaguement une silhouette également. Donc là, avec un tout petit peu de travail d'étalonnage, on a pu rééquilibrer les choses, c'est-à-dire densifier lorsque c'était trop blanc, éclaircir un petit peu lorsque... Et en fait, pour moi, ça a été un apprentissage fabuleux, parce que je me suis rendu compte que voir un film, enfin, la qualité technique de la copie qu'on voit, c'est capital. C'est complètement essentiel. Et ce film que je n'arrivais plus à voir en Belgique, tout à coup, j'ai eu du plaisir de le redécouvrir avec toi là, à Locarno cet été. C'était vraiment un grand moment d'émotion. Donc voilà, vous allez voir un film qui est complètement restauré. C'est une opération coûteuse. Et ça donne une deuxième vie au film. Il faudrait peut-être préciser, j'aimerais peut-être préciser, Jean-François, deux choses. Une chose que tu avais dite à Locarno, et qui avait été démontrée par les équipes qui ont travaillé dessus, en particulier Carole Delesser, qui était la responsable de ces restaurations, et Caroline Fournier, qui est la responsable du secteur de restauration et de conservation, qui est debout, qui se cache d'ailleurs. Et Carole est là aussi, d'ailleurs, elles sont debout, elles ont déjà vu le film quelques fois. Peut-être préciser en leur nom qu'il y a une chose justement dans l'obscurité qui était très frappante, puisque on s'est mis à voir des choses qu'on ne devrait pas voir, que toi-même tu disais que tu n'avais jamais vues. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans le noir, et ce qui s'est passé, c'est que justement elles ont d'abord vérifié la copie, et en effet dans la copie on ne voit rien, on ne voit que du noir, et elles sont retournées au négatif. Et dans le négatif, en fait, cette image elle est bien là. Mais simplement, ce qui s'est passé, c'est quand on tirait des copies 16 mm à partir de ce négatif, elles n'arrivaient pas, même dans la copie, et ensuite évidemment encore moins à la projection, à redonner ce qu'il y avait dans le négatif. Donc après, est-ce que l'archivistique voudrait qu'on reste noir pour respecter l'état de la copie de projection d'époque, ou plutôt l'état du négatif original? C'est un long débat philologique que nous n'aborderons pas ce soir. Mais là, le choix du cinéaste, il est toujours là, donc on peut lui demander, a été de vous montrer est-ce que le négatif
recelait et que personne n'avait jamais vu avant vous. Voilà. Sauf le chef opérateur en 82, Rainer Klausmann, qui dans l'œil ton avait vu ces vaguelettes. Mais ça n'a jamais été plus loin que ça. On les a retrouvées 32 ans plus tard. Et ces vaguelettes, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. À part ça, c'est un film sur l'absence. C'est véritablement un film sur l'absence. À l'époque, oui, j'avais quelques petits soucis avec une jeune femme qui m'avait méchamment largué, il faut bien le dire. Et ça m'est arrivé quand même. Enfin bon, on va passer là-dessus. Et donc, j'avais décidé de faire un film là-dessus. Et Alexandre, en fait, on ne le voit jamais dans le film. La fille, on ne la voit quasiment pas dans le film. C'est véritablement un film sur l'absence où j'ai essayé de trouver des relais cinématographique pour tenter de filmer l'absence. C'est-à-dire que vous verrez, ça j'y tiens beaucoup parce que c'est Freddy qui m'avait dit ça il y a 32 ans, dans les 4, 5, 6 premières minutes du film, le personnage principal monte au Mont Pèlerin après des plans de lac et en fait on est avec lui, on est censé être dans sa tête mais on ne le voit pas lui. Ça paraît une maladresse. Eh ben non, ça n'en est pas une, c'est l'écriture. L'auteur de cinéma, ceci est voulu, et je peux vous dire que il y en a là-dedans. Hein. Mais quand même. Hein. Mais on sait ça. Ah non. Et d'ailleurs, il faut, il faut quand même dire la vérité. Non, mais il faut dire la vérité. Après, c'est que Freddy, hein, quoi? On snappait de film, ça, ça va être rigolo. Bon. Ça, c'est autre chose. Mais Freddy a vu le film de nouveau à Locarno, dans cette projection numérique qu'on a évoquée tout à l'heure. À Locarno, pourquoi? Parce qu'il était d'une part normal de le présenter à Locarno, mais aussi parce que le film avait été en compétition à Locarno, il faut peut-être le rappeler après ces projections mémorables ici même. Et que Freddy a été enchanté du film, qu'il avait l'impression de le redécouvrir complètement, et qu'en effet, il l'a trouvé formidable, et il n'était pas le seul. Voilà. Et je ne vais pas en rajouter, mais... On vous encourage. Non, mais vous dire qu'il y a plus que 8 minutes, voilà, hein, ça vaut la peine. Un peu. Et avant, il y a le 10 août, donc, qui est un film documentaire qui a été très, très, très pénible à faire. Je crois qu'on a refait 4 fois l'ensemble du montage. C'était chaque fois très, très, très mauvais. Et à la fin, on a un peu trouvé comme ça un compromis pour dire ce qu'on avait envie de dire sur le PayPal. Voilà. Ah ben voilà, quoi. C'est dit. Mais on rembourse pas les billets. Hein. Allez, bon courage et projection. Voilà. Bonne projection.